Aujourd'hui, je vais vous montrer comment bien cacher un bouton parce que ça a donné que j'en ai eu deux qui ont poussé récemment. Donc, je vais commencer par vous donner des remèdes de grand-mère qu'on entend souvent, vous dire mon avis sur ceci. Et ensuite, je vais vous parler de comment cacher un bouton mais avec du maquillage. J'ai eu ma puberté très jeune, donc avant, oui, j'avais beaucoup d'acné partout dans le visage. Puis là, je voulais savoir comment m'en débarrasser. Puis là, je regardais les trucs. Puis il y avait une amie à l'école qui me disait « Mets du dentifrice, ça assèche les boutons. » Je l'ai essayé. C'est vrai que ça les asséchait, mais j'ai fait des recherches, puis je sais que c'est pas très recommandable d'utiliser de la pâte à dents sur vos boutons. C'est pas de plein de bonnes choses là-dedans. C'est sûr que il y a de l'alcool, tout ça, ça va venir assécher le bouton, c'est vrai. Mais pour les peaux sensibles, c'est vraiment pas recommandé. Et même si votre peau est pas sensible, on n'est pas supposé le faire souvent. On peut s'en servir en cas de dépannage, vous en mettez juste sur le bouton. Mais il y en a qui disent que ça les brûle, il y en a qui disent que ça marche pas. Donc, je vous dis juste que c'est un truc, si vous voulez l'essayer, c'est à vos risques et périls. Et aussi, dans le même genre, il y a des gens qui vont mettre de l'alcool à friction sur leur bouton. Aussi, dans le même but, c'est d'assécher le bouton. Je crois pas non plus que c'est une super bonne idée pour la peau. Ça, à long terme, ça risque de faire des dommages. À court terme, ces deux produits-là, c'est vrai que pour plusieurs personnes, ça va assécher les boutons, mais à long terme, c'est vraiment pas bon. Tout ce qui est alcool pour la peau, ça va la dessécher, etc. Ça peut laisser des cicatrices, des marques de brûlure, etc. Je conseille pas vraiment. Je vous dis juste que ça peut être une solution peut-être pour une fois si vous voulez éviter ça, là. Mais je veux pas être responsable si vous vous brûlez. Je vous dis juste que ça existe parce que si c'est pas moi qui vous le dis, vous allez l'apprendre ailleurs. Donc j'aime mieux quand même vous prévenir sur ces choses-là. J'ai déjà vu un autre truc aussi qui est avec les gouttes pour les yeux qui enlèvent la rougeur. Vous pouvez en mettre sur votre bouton quand il est rouge. Normalement, ça devrait enlever la couleur rouge. Je ne l'ai pas essayé encore, mais s'il y en a qui veulent l'essayer, ça peut pas être dangereux. Juste des gouttes pour les yeux qui enlèvent la rougeur. Maintenant, pour la partie maquillage, moi, je cache mes boutons personnellement avec des cachets. Il existe aussi des bâtons qui sont spécialement conçus pour l'acné, comme des espèces de crayons correcteurs qui sont remplis avec des choses médicales pour guérir les boutons. Si vous voulez prendre ça, c'est une bonne idée. Mais sinon, comme moi qui n'en ai pas souvent, j'aime mieux juste utiliser un cacherne. Personnellement, je préfère les cacherns liquides à ceux en crème. Je trouve que ça cache mieux un bouton. C'est plus à cause de l'applicateur, je dirais, parce que c'est plus précis. Démonstration. Bon, j'en ai un ici en plein milieu, donc avec l'applicateur, moi, c'est vraiment facile d'aller chercher. Ce que je fais, c'est que j'en mets juste sur à peu près la zone du bouton. Et puis, avec mon doigt propre, évidemment, sinon vous allez faire des bactéries dans votre visage, vous allez juste tapoter doucement pour fondre le produit avec le reste de la peau. Comme ça. Ça, c'est bon quand vous avez juste un petit bouton et qui est pas rouge. Si vous avez un bouton rouge comme moi, vous pouvez prendre... Il existe des fortes crèmes qui soient verts, comme celui-ci du portfolio de Lesoitiers. Et le vert, c'est une question de couleur complémentaire. Donc, la couleur complémentaire du vert, c'est le rouge. Donc, en mettant du vert sur le rouge, ça va le neutraliser et on le verra plus. Un exemple ici avec mon autre bouton qui est rouge, un peu de vert, on vient juste le mettre sur la rougeur et en disant pas partout autour. Et vous voyez que c'est plus rouge. Là, vu que c'est un peu vert, normalement, ce que je fais, c'est de revenir un peu avec du cacherne, mes couleurs peau. Et juste estomper. Donc, le vert, il faut vraiment pas en mettre beaucoup. Et c'est important d'en mettre seulement où ce qui est la rougeur. Donc, juste comme ça. En passant à la couleur verte, comme ça, elle existe aussi sous forme de crème. Donc ça, c'est parfait pour les gens qui font de la couperose ou qui ont beaucoup de rougeur sur le visage. Vous pouvez acheter une crème verte que vous allez mettre juste où il y a vos rougeurs sur le visage. Ensuite, vous allez mettre votre fond de teint par-dessus pour pas garder l'effet vert qui est pas beau, évidemment. On va aller faire celui en haut aussi. Donc, vous prenez juste un petit peu de fard vert. Et on l'applique uniquement sur la rougeur. Donc, le vert est fait, je reviens avec un beige. Vous pourriez prendre celui qu'il y a ici dans le correcteur ou un autre liquide, comme moi j'aime. Juste passer par-dessus et je viens fondre avec mon doigt. Il faut vraiment tapoter doucement pour
pas enlever trop de produits, juste en mettre au bon endroit. Donc ça, c'est pas mal caché. Et bien sûr, très important, une fois que vous avez mis vos produits gras dans le visage, il faut les poudrer, sinon ça ne tiendra pas en place. Pour poudrer, prenez pas un gros pinceau comme ça. Allez chercher plutôt des choses qui sont la largeur ou presque un peu plus gros du bouton. Donc des choses comme ça, c'est bien. Vous allez prendre une peau de la même couleur que votre peau. Juste en mettre un petit peu, pas trop, pour pas que ça ait l'air cakey, comme on dit en anglais. Et vous allez juste en tapoter un petit peu sur le bouton. Même chose ici. Pour fixer le produit, en même temps, ça peut aussi l'aider à le cacher. Il faut savoir avec les boutons, c'est que c'est pas toujours possible à 100% de les cacher. Des fois, ça arrive qu'ils sont trop gros ou trop colorés, bon, des choses comme ça, ça arrive. Pour la couleur d'un bouton, on est capable de le neutraliser tout le temps. C'est facile avec le vert. Mais pour ce qui est de l'effet 3D, ben là, c'est plus difficile. Je veux dire, c'est des choses qui arrivent. C'est sûr que quand vous allez vous tourner, si votre bouton est assez gros, on va le voir. Ça, le maquillage, je peux pas vraiment cacher ça, je suis désolée. Moi, souvent, quand je vais cacher mes boutons comme ça, j'ai remarqué qu'au bout de quelques heures, ils commençaient à réapparaître, c'est normal. Donc, je conseille toujours de traîner, évidemment, votre cachemme. En format liquide, comme ça, c'est plus pratique à traîner qu'avec un comme ça qu'il faudra emmener un pinceau. Si jamais vous avez plusieurs boutons dans le visage, même partout dans le visage, à ce moment-là, c'est sûr que vous allez avoir des soins d'acné plus spécifiques. Ça va être important de bien prendre soin de votre peau à chaque jour. Puis quand ça va être le temps du maquillage, il va falloir que vous soyez très discipliné au niveau de l'hygiène, de bien laver vos pinceaux, de regarder si vos trucs sont périmés. Puis vous pouvez prendre des fonds de teint, des poudres spécialement adaptés pour l'acné. Vous devez quand même hydrater votre peau, même si elle est acnéique, parce que ça ne veut pas dire qu'elle est... même si elle est grasse, il y a des zones des fois qui sont desséchées autour des boutons. Donc commencez comme les autres, vous mettez votre crème hydratante, vous pouvez mettre une base au maquillage. Vous allez prendre un fond de teint selon votre type de peau. Si vous n'avez pas quel fond de teint prendre, vous pouvez regarder mon vidéo « Comment trouver le bon fond de teint ». Et puis pour ce qui est des boutons, ben c'est ça, vous pouvez mettre, mettons que vous en avez beaucoup sur les joues ou sur le front, vous pouvez mettre un fond de teint qui va être plus couvrant à ces zones-là. Et si vous voulez retoucher vos boutons un par un, si vous n'en avez pas trop, c'est correct. Mais sinon, un bon fond de teint couvrant à ces zones-là. Si vous avez des rougeurs, vous mettez la base verte avant. Bon, donc c'est tout ce que j'avais à vous dire par rapport aux boutons. Je vous souhaite bonne chance. À très bientôt!